première jeune fille de Saint-Sauveur à obtenir un baccalauréat SR, Lucie Dagenais décroche un emploi au service social diocésain de Saint-Jérôme. Mais peu après, elle bifurque vers une formation d'infirmière, ce qui lui ouvre les portes de l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'est là qu'elle s'implique activement dans la mise sur pied d'un premier syndicat d'infirmières. En 1963, elle entre à la CSN comme conseillère syndicale, ce qui la place au cœur des négociations dans les hôpitaux durant les années 60. Puis, elle devient adjointe au secrétaire général de la CSN, cela durant la période des grandes luttes syndicales. Par la suite, elle passe au service de formation, où elle s'implique surtout en santé-sécurité. De 1969 à 85, Lucie Dagenais va siéger comme représentante du monde du travail à la Régie de l'assurance maladie, où elle va soutenir le droit des usagers. Puis, de 1989 à 94, on va la retrouver au Conseil du statut de la femme, où elle défendra ardemment l'égalité en emploi ainsi que les droits parentaux. De nos jours, elle continue de militer, cette fois pour la défense et l'amélioration du système public de santé, en collaboration avec Médecins québécois pour le régime public. Fait à souligner, en 1979, elle devenait la compagne de Marcel Pepin, ancien président de la CSN. Village multiplique. Mes parents, mon père, avaient acheté une quincaillerie qui, c'était plus un magasin général. Là. Maman à 35 ans, papa à 39 ans, ils avaient 9 enfants. Et on grandissait dans le magasin. Assez jeune, il fallait qu'on travaille. T'sais, on était associés. Maman était associée, puis nous autres aussi, on était associés aux travaux du magasin. Et on avait une vie de famille assez intense. On n'était pas pauvres, mais on avait une vie très modeste. L'école, là, ça finissait en 9e année, mais après la 7e année, il fallait aller ailleurs, de préférence. Alors moi, je suis allée à Saint-Jérôme, au pensionnat de Saint-Jean. J'ai commencé mon cours lettres-sciences. Ça, c'était le début du cours classique pour les filles. Après ma deuxième année de lettres-sciences, là, je me transplante à Outremont, au Collège Jésus-Marie, des Sœurs Jésus-Marie. Je finis mon cours classique, là. Ça, c'était une grande découverte dans ma vie, là. Il y a eu un poste annoncé au service social à Saint-Jérôme. J'avais aucune qualification. Mais dans le temps, là, les ouvertures de poste étaient plus larges, hein. Alors, là, j'ai travaillé comme aide sociale pendant un peu plus qu'un an. On m'avait assigné aux premières entrevues. Après, je les référais aux travailleurs sociaux qui prenaient en charge. Puis, on m'avait aussi affecté au contrôle de l'éligibilité. Parce qu'à ce moment-là, il y avait de l'assistance publique. On visitait les mères nécessiteuses qui recevaient une pension pour vérifier cette répondant encore aux conditions. Et dans les conditions, il y avait les bonnes mœurs. Hein. Moi, je ne me suis jamais occupée de ça, mais je suis arrivée une fois chez une femme enceinte, comme ça. Son mari faisait 5 ans qu'il était à Saint-Jean-de-Dieu. Alors, elle s'est mise à pleurer, là, elle était sûre de perdre sa pension, mais dans mon rapport, elle n'était pas enceinte. Les services sociaux, à cette époque-là, étaient diocésains. C'était eux autres qui étaient les responsables de l'administration des lois sociales, si vous voulez. Le chanoine Manceau, je me rappelle de son nom, c'est un gars très ouvert qui n'aurait jamais, jamais empêché une mère nécessiteuse d'avoir une allocation pour des raisons de mœurs. Ça, c'était pas dans ses patterns. Le service du pardon, ça c'était une autre affaire. On recevait des lettres du fédéral qui voulaient libérer un prisonnier. Ils nous demandaient d'aller voir s'il arriverait dans un milieu favorable à sa réhabilitation.
des choses comme ça. J'ai été en contact pendant cette année-là avec des situations qui étaient complètement imprévues, inimaginables dans mon milieu familial. Là, la misère compliquée, là, de la violence conjugale, des choses comme ça. Alors, c'était une expérience très enrichissante, mais très pénible pour le moment, à ce moment-là de ma vie. T'sais. Alors, c'est là que j'ai décidé d'aller faire mon cours d'infirmière. La misère est souvent reliée à la maladie. Hein? Une grande partie des gens qui sont pauvres, c'est à cause du fait qu'ils sont pas capables de travailler. Et j'avais une disposition pour m'occuper des malades. Même très jeune, là, ils m'envoyaient chez une cousine qui venait d'accoucher et qui avait des problèmes avec son bébé. J'avais une grand-mère qui avait la bonne habitude de se casser des morceaux. Et j'allais la visiter à Sacré-Cœur. Et pendant ce temps-là, j'ai un frère qui a fait le rhumatisme articulaire aigu. Dans ce temps-là, c'était 30 jours d'hospitalisation. Et c'était dangereux pour le cœur. Alors c'est là que j'ai décidé d'aller faire mon cours d'infirmière. J'ai décidé de faire mon cours à l'Hôtel Dieu de Montréal. Je connaissais déjà l'hôpital parce que j'avais souvent visité des malades là. Et à ce moment-là, on réside à l'hôpital. On avait un pavillon, le pavillon Jeanne-Mance, où on habitait. Et les premiers mois, on avait une formation théorique. Après ça, c'était des stages. Pendant 2 ans et demi, c'était des stages dans tous les services. Comme il n'y avait pas d'obstétrique à l'Hôtel Dieu, on faisait le stage à Saint-Jérôme. Il n'y avait pas de pédiatrie, on faisait le stage à Sainte-Justine. On avait des bonnes journées de travail et pas mal de responsabilités. Les étudiants d'infirmière, on était le personnel auxiliaire, disons, au grand complet. Tu sais, il y avait des infirmières diplômées en petit nombre et des étudiants d'infirmière. Il y avait aussi des internes et résidents. Alors, eux, ils étaient toujours présents auprès des malades. Après le premier semestre, on avait des cours 2-3 fois par semaine par des médecins, les meilleurs médecins de l'hôpital, qui nous initiaient à la pathologie, au traitement, tout ça. C'était assez intéressant. On nous assignait des malades, là. On avait 5-6 malades sous la direction d'une infirmière à qui on donnait tous les soins, sauf les soins intimes qui étaient réservés aux infirmiers masculins. D'ailleurs, les salles étaient par hommes ensemble, femmes ensemble. Pas juste les salles, les départements. Il n'y avait jamais de mixité dans la clientèle. Il y avait une situation qui était difficile, c'était la nuit, parce qu'on faisait étudiante, on faisait jour, soir, nuit. La nuit, là, on était seul dans les départements. Il y avait une surveillante pour tout l'hôpital qui était infirmière. En médecine puis en chirurgie, là, c'était des années de progrès. Et même pendant notre cours d'infirmière, commençait à arriver des médecins qui étaient allés se spécialiser aux États-Unis, qui faisaient de la médecine très avancée. La fin des années 50, début des années 60, là, c'est des progrès médicaux incroyables. Il va en avoir ensuite, plus tard, avec l'imagerie médicale, le scan et tout ça, mais médecine et chirurgie, là, ça a beaucoup, beaucoup progressé ces années-là. Le rein artificiel, j'étais là quand ils ont utilisé la première fois le rein artificiel, c'est une espèce de grosse machine à laver. On avait mis je ne sais pas combien de temps pour préparer la salle, le malade, tout ça. 5 minutes après la transfusion, le bonhomme fait une réaction. Il a été obligé d'arrêter. Mais ça, ça commençait. Il y a eu aussi des soins intensifs qui ont été créés en 62 à l'Hôtel Dieu. Et c'était les premiers dans l'univers francophone. On dit des fois que les patients en salle étaient négligés. C'est pas le cas du tout. Ils étaient traités parce que les internes et les résidents étaient là tout le temps. On était une gang de jeunes, là,
D'abord, c'est des jeunes dans le temps, là. Des vieilles infirmières, elles n'avaient pas. D'ailleurs, ça va être un conflit dont je vais vous parler après, parce que comme infirmière, c'est une lutte qu'on a menée très sérieusement pour avoir accès au poste de, d'infirmière chef, parce que, en tout cas, c'est normal que dès qu'une sœur finissait son cours, elle était en charge du département. Je me souviens d'un stage en psychiatrie. Là, c'était un département barré. Et on avait des grands malades. C'était avant les fous criés au secours. C'est un livre qui a dénoncé l'état de la psychiatrie au Québec là, d'une façon incroyable. Là, il y avait à ce moment-là souvent des lobotomies, des électrochocs, puis de l'insulinothérapie. C'était des méthodes assez brutales. Alors, on était deux petites étudiantes avec une trentaine de malades. Et là, le matin, tôt le matin, avant le chiffre de jour des infirmières, on commençait l'insulinothérapie. Il s'agissait d'amener les patients en coma, coma insuliné. On ne leur donnait pas du sucre. C'était quand même quelque chose de très sérieux, ça. Alors, l'infirmière arrivait vers 7h30, là, nous autres, on finissait notre corps, mais c'était angoissant de faire ça. Et, en plus, on constatait qu'il y avait bien des malades de mœurs. Il n'y avait pas juste des... Il y avait des problèmes sociaux qui étaient considérés comme des problèmes de santé mentale. Comme une jeune fille qui, le soir, partait courailler toute la nuit, là. Ils n'arrivaient pas à la contrôler. Ça nous préoccupait, tu sais. On suivait pas les débats qui commençaient à ce moment-là au Québec sur la psychiatrie. Mais on était conscients quand même que c'était pas normal. Donc, moi, en finissant mon cours, je m'inscris pour travailler à l'Hôtel Dieu et en salle publique. Chez les hommes. Ça, on voit souvent la photo de ces salles-là dans les livres d'histoire. Il y avait 6 lits pour les yeux, 6 pour les hernies, 6 cardio, pneumologie, tu sais, c'était... il y avait de tout, c'était un hôpital, c'était quasiment un hôpital général, notre département. Et la presque totalité des malades étaient couverts par l'assistance publique. Ils ne payaient pas leur hospitalisation. Le sage appelait ça la carte rose. Même si les gens n'étaient pas sur l'assistance publique à l'année, quand ils allaient à l'hôpital, ils obtenaient une carte de la municipalité. La municipalité payait juste le tiers. Le gouvernement payait le deuxième tiers, puis l'hôpital, à même ses profits avec les autres malades, payait l'autre tiers. Bon. Il y avait beaucoup de lits d'hôpitaux au Québec, hein? C'était pas ça qui était le problème d'accès, là. Le drame dans cette période-là, c'est qu'il y avait les vrais pauvres. Ben, les vrais pauvres, il était pas nécessaire qu'ils soient très pauvres. Il fallait qu'il y ait eu la carte de la municipalité pour dire qu'ils ne pouvaient pas payer leur hospitalisation. Il y avait eux autres qui étaient hospitalisés gratuitement. Il y avait les riches, les gens à l'aise qui payaient leur hospitalisation, qui avaient des assurances. Mais au Québec, c'était pas... Il y avait 33% je pense, des gens qui avaient des assurances avant l'heure. Et il y avait la classe entre les deux qui se privait souvent d'hospitalisation. Et qui avait de la misère à payer. Il y avait l'endettement pour les soins médicaux. D'ailleurs, je pense qu'André Lorrain en parle dans son édition. Les soins de santé étaient une des principales causes d'endettement. On recevait souvent des malades à l'extrémité, tu sais, qui auraient dû être hospitalisés bien avant. Mais il n'y avait pas les moyens, il arrivait là, quand il était en train de crever. En 57, même si c'est un domaine de compétence provinciale, le fédéral a dit, on met de l'argent,
si vous embarquez dans un régime universel sans possibilité d'assurance privée, on va payer la moitié. Le fédéral a joué un rôle très important. Nous autres, le Québec a résisté jusqu'à Jean Lesage, qui l'a promis, puis qui l'a fait dès le lendemain de l'élection de 1960. 1er janvier 1961, c'était une explosion de joie. Et tous les malades, désormais, pouvaient être hospitalisés sans payer. Et ça voulait dire aussi que les employés d'hôpitaux, on allait arrêter de nous traiter comme des missionnaires et payer des salaires de misère, tu sais. Alors, ça a eu un impact énorme sur la mobilisation syndicale. D'ailleurs, il a commencé à avoir des grèves illégales. Il y a eu beaucoup de débats à ce moment-là. Au Québec, il y a eu une plus grosse résistance à l'assurance hospitalisation qu'à l'assurance maladie dans l'opinion publique. Avoir un emploi, là, c'était pas compliqué, hein? Il y avait une telle pénurie d'infirmières, là. D'abord, 60% des infirmières à ce moment-là n'avaient pas 2 ans d'ancienneté. Pas juste à l'Hôtel Dieu, là, au Québec. Il y en avait des femmes mariées, mais des mères, c'était plus rare. Ça m'allait. Ils revenaient après. Fait que tu vas démissionner, puis être réembauché. 6 mois après, parce qu'il y avait toujours besoin du monde. Début des années 60, là, on peut voir ça comme une continuité dans les revendications syndicales. C'est en 64 qu'on a obtenu le premier congé de maternité, avec droit de retour à son poste. Je travaille à l'Hôtel Dieu, moi, depuis 3 ans, OK, en 62. Et dans ma famille, Saint-Sauveur, même au collège, là, les syndicats, à Saint-Sauveur, ça n'existait pas, tout simplement. En tout cas, j'avais aucune sensibilité. Par contre, dans notre cours d'infirmière, on avait un cours sur la doctrine sociale de l'Église, où ils nous parlaient du syndicalisme. Et ça, c'était donné ce cours-là par un prêtre de la maison Léon XIII. Ça, c'était un groupe de prêtres progressistes. Qui s'intéressait beaucoup aux questions sociales. Alors, après son cours, on est allé le voir quelques-unes et on lui avait dit, quand on va être gradué, si on veut syndiquer, qu'est-ce qu'on fait? Il nous avait dit, quand vous serez 2-3 bien décidés, venez me voir puis je vous aiderai. Ça a été nécessaire parce que ça s'est passé autrement. Finalement, en 62, à la salle à manger, une infirmière de la salle d'opération raconte qu'un médecin a lancé des gants souillés à la face d'une infirmière. Et c'est un médecin vraiment effrayant. Je me rappelle bien de son nom. Il était vraiment effrayant. Tu sais. C'était un archi bon chirurgien vasculaire, mais il n'avait aucun respect pour personne. Alors, moi, je dis, si on était syndiqué, on n'endurerait pas ça. Alors, ça reste là. L'après-midi, j'ai un téléphone d'une qui était là à table. Elle me dit, es-tu sérieuse quand tu as dit ça à midi? J'ai dit, ben oui. Elle dit, écoute, mon ami, c'est Bruno Meloche, je travaille à CSN. Bruno Meloche, là, ça avait été une star dans les années. La fin des années 50, parce qu'il avait fait le siège chez Duplessis pendant 3 mois avec Jean-Pierre Goyer et Francine Norando pour la gratuité scolaire. Elle dit, veux-tu qu'on la rencontre? Je dis, d'accord. On organise une rencontre avec 3-4 filles dont on pensait qu'ils pourraient être sympathiques. Puis, on décide de fonder le syndicat. L'Alliance des infirmières existait depuis 1946, mais elle avait pas beaucoup de sections.
Puis l'Hôtel Dieu et Notre-Dame, ça, c'est considéré comme imprenable. D'ailleurs, les infirmières, là, une centrale ouvrière, là, ça, c'était un obstacle énorme à franchir. Hein? Là, on rencontre Bruno, il nous explique comment faire. Vous allez d'abord faire des listes. Vous allez vous trouver des poteaux sur chaque département. Puis, on va les rencontrer. Fait que, on fait ça. 5 jours après, on avait la majorité pour demander l'accréditation. On avait peur des représailles, tu sais. Tant qu'à le faire, on le faisait. On était une gang assez enthousiaste et on avait dans le groupe des filles qui étaient très respectées dans l'hôpital. Ça comptait, ça faisait partie des critères de Bruno. Là, on a eu ça a été un peu compliqué d'avoir l'accréditation parce que l'hôpital, parce qu'on avait un avocat. Il y avait des avocats pour les hôpitaux dans ce temps-là qui étaient tellement rétrogrades, là, et qui couvraient tous les hôpitaux. Ils faisaient des objections sur le groupe. Finalement, on a été accrédité et là, on a commencé à préparer nos demandes. On voulait améliorer nos salaires, bien sûr, mais on voulait surtout avoir notre mot à dire parce que c'était une période de transformation. Tous les changements médicaux modifiaient notre tâche et augmentaient la charge de travail. On se s'en allait nulle part, on a pris un vote de grève. Là, on a été convoqués par la direction de la CSL. Ils nous ont expliqué que la grève, c'était pas permis dans les services publics. Et on le savait, évidemment. Jusqu'à 64, quand on s'entendait pas avec l'employeur, il y avait un arbitrage de convention. Il y avait un arbitrage commencé en 62 pour l'ensemble des infirmières CSL. Parce que les autres infirmières avaient décidé de faire des négociations regroupées, toutes celles de la CSN. Il y en avait une trentaine de syndicats. Et on entre dans ce groupe-là. D'abord, ils nous ajustent nos conditions à celles des infirmières syndiquées, parce que la convention expire quelques mois après la convention régionale. On entre dans le groupe et on forme un comité de relations professionnelles. Ça, c'était une nouveauté que les infirmières aient leur mot à dire collectivement sur l'organisation du travail. Alors, on était assez contentes du règlement, finalement. Puis les infirmières de Sainte-Justine, de qui on était assez proches, se sont syndiquées dans les mois qui ont suivi. Puis elles sont allées plus loin. Elles ont fait la grève pendant 4 semaines, en 63. Bruno Meloche, là, il a joué un rôle clé dans la syndicalisation ces années-là et la marche vers la négociation provinciale. Stratège comme il était, il avait convaincu Marcel Pepin, qui était secrétaire général de la CSN, d'agir comme arbitre syndical. Parce que c'était un arbitrage à trois. Il y avait un président nommé par le gouvernement, un par les patrons, puis un par les syndicats. Alors, Marcel avait accepté. L'arbitrage était commencé. Bruno faisait la démonstration des problèmes d'organisation, en plus des questions de salaire, tout ça. Mais le président du tribunal, Paul Lheureux, il démissionne après plusieurs mois d'arbitrage. Alors là, c'était évident qu'on n'allait pas recommencer cette cérémonie-là. Là, on décide de retourner négocier directement avec les employeurs. Ils sentent une très grande pression. Il y a vraiment un mouvement dans toutes les sections pour aller à la grève si nécessaire. Et là, on a négocié une convention très intéressante. J'ai été engagée un mois avant cette grève-là comme conseillère syndicale. Alors, je suis pas retournée à l'hôpital. J'ai fait surtout du recrutement à ce moment-là. Je me suis occupée du comité qui met en place le système de retraite. Je m'occupais beaucoup des comités de nursing parce que c'était compliqué
quand on remettait en cause l'organisation du travail, les infirmières localement n'étaient pas toujours équipées pour discuter avec l'employeur. Alors, c'était une de mes fonctions importantes. Il y avait aussi un comité provincial qui avait été créé en 1963, dans lequel on examinait un peu la répartition des tâches. Parce qu'on ne voulait plus que n'importe qui fasse n'importe quoi, tu sais. C'était insécurisant. J'ai été présente beaucoup dans l'ensemble des questions de la Fédération des affaires sociales. En plus, l'élaboration des positions de la CSM, parce que la CSM, là, elle a été très, très importante sur les législations en santé. Mais ça s'est toujours fait en concertation avec les autres centrales.